Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Il est 14h05 sur Radio Ici et Maintenant. Hier, à l'occasion de l'antenne libre, vous avez sans doute, pour les personnes qui étaient à l'écoute, entendu Didier Deplège, fondateur de la radio Ici et Maintenant, intervenir pour vous donner rendez-vous cet après-midi afin de discuter, d'échanger avec vous. Donc, il est là au téléphone, Didier est avec nous. D'autres animateurs sont présents à l'écoute et interviendront sans doute tout au long de l'émission. Je suis également en compagnie de David Abbassi au studio. Didier, bonjour, tu es à l'antenne. Bonjour Didier. Mon cher Didier, bonjour. Bonjour Hermès. Bonjour. Je vous communiquais une triste nouvelle hier pour vous annoncer cette intervention d'aujourd'hui. Alors, peu de choses, mais dire ceci, je vous ai beaucoup aimé pendant 40 ans. Eh oui, 40 ans. J'aime beaucoup ma famille, mais voilà, je suis resté fidèle au poste aussi longtemps. C'est le moment du départ. C'est comme ça. Les médecins me disent que je peux subir une dialyse quotidienne, ça leur complique un peu la vie, mais c'est en discussion pour le moment. J'ai une simple épitaphe qui titre à suivre. J'espère que vous comprenez et que ça vous plaira. À la prochaine, Amand. Oui, Didier, on t'a entendu et donc, si on a bien compris, vous êtes toujours en discussion pour savoir s'il faut continuer ou pas. Oui, je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui m'aiment aussi. Certains ne m'aiment pas, c'est pas grave, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, et pourquoi. Au fond, peu importe, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cette chance qu'on me donne de prendre mon temps, voire même de décider. Je pars ou je reste. Si je reste, faut savoir que les reins et le foie seront bloqués. Personne n'a le moyen de les débloquer. C'est pourquoi c'est quasiment terminé. Mon cher Didier. Il a bien répondu, on t'aime Didier. Mon merci cher Didier, nous vous aimons toutes et tous. Tu es un amour pour nous toutes et tous. Ça fait 40 ans que tu nous as donné. Toujours, Didier Deplège, il nous a donné quelqu'un que toujours a donné. Comment on peut ne pas l'aimer? Et tu es mon maître, tu es mon président, et tu es mon ami de 40 ans, également pour plusieurs milliers de personnes. Tu es idole,
Tu es idole si un prophète pouvait exister dans notre siècle passé et aujourd'hui, c'est Didier Doplège, puisque tu as tout donné de ta vie pour nous toutes et tous. Nous avons appris de ton école. Ça, c'était une école pour plusieurs personnes, qu'ils soient David Abbassi ou plusieurs de mes amis qui te suivent toujours tes méthodes. Tu es un amour, Didier. On t'aime beaucoup. Dans chaque émission qu'on fait depuis 40 ans, il y a nos amis, les gens qui viennent te remercier. Tu nous as donné quelque chose que nous n'avions pas. Expression, libre expression. Tu étais un trafic qu'on faisait, Didier. Tu es notre amour. On vous aime, Didier. Nous vous demandons de rester avec nous. Ta présence, ça nous donne d'énergie et de la force, mon cher Didier. On a Olivier Vinet aussi avec nous. Olivier. Et un grand, grand merci pour tout ce que tu fais depuis 40 ans, mais je n'imagine même pas. Moi, il y a 40 ans, j'avais 3 ans. Je portais encore probablement des couches-culottes où j'avais un biberon, quelque chose comme ça. Et je n'imagine pas tout le temps, toute l'énergie, tous les efforts que tu as dû faire pour ce magnifique bébé que tu as porté toute ta vie. Et je tenais vraiment à te remercier parce que moi, évidemment, maintenant j'ai 45 ans, donc j'ai pris plus tard. Je suis arrivé en tant qu'auditeur dans les années 2000, au cours des années 2000. Et puis en tant qu'animateur depuis 2014, donc bientôt 9 ans. Et c'est la radio a toujours eu un espace, un rôle précieux dans ma vie. D'abord en tant qu'auditeur, je te remercie beaucoup parce que tu as pendant des années tenu à continuer de mettre le matin pendant l'heure anglaise de 6h à 7h et carte tôleux à la noix de saucisse. Et moi j'avoue que le matin quand je me lève avant 7h, eh ben, c'est un petit peu mon rituel. Je reste dans le noir, j'allume la radio et j'écoute carte tôleux et c'est vraiment magique. Donc ça a toujours été des moments très précieux pour moi. Et puis plus tard, lorsque je suis devenu animateur, ben en fait, je dois vraiment te remercier parce que d'une part, je suis rentré à la radio avec Andreas Mamet, à qui tu as fait confiance. C'était pas facile parce qu'Andreas, il parlait en anglais. Moi, j'étais là pour traduire, donc forcément, ça ralentissait le débit. Et puis, tu as fait confiance pendant. On a fait 4 ans, 150 émissions chaque semaine, donc 150 émissions où moi j'assistais Andreas. Au standard, aux manettes, en tant que traducteur, etc. Et ça, c'est grâce à toi, c'est parce que tu nous as laissé cette possibilité, alors qu'Andreas n'avait pas de formation particulière d'animateur. Et je sais que même si Andreas n'est plus là depuis un an, il est parti lui aussi le 27 décembre 2021, c'était très précieux pour lui d'avoir cette tribune pour pouvoir exprimer ce qu'il avait à cœur de partager. Donc ça a été très précieux, je le sais, c'est pour ça que je me permets de parler à sa place. Et puis moi, depuis 7 ans, c'est pareil. J'ai une émission que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est Nouvelle Conscience, le troisième samedi à 23h, jusqu'à 1h du matin. Moi c'est pareil, moi je n'avais pas de formation d'animateur, je ne suis pas journaliste, rien du tout. Je suis juste un chercheur sincère depuis bientôt 25 ans. Et un jour, il y a 7 ans, je courais autour du lac près de chez moi, quand tout d'un coup il y a une voix qui m'a parlé à l'intérieur, c'était la voix de mon intuition, et qui m'a dit « propose un concept d'émission ». Et tout d'un coup, en l'espace de 10 minutes, il y a tout un déroulé qui est venu, des idées, etc., qui sont venues. Et je suis rentré chez moi et j'ai appelé Didier, avec lequel on était en contact, puisque j'assistais Andreas Mamet pour l'émission qu'il présentait à l'époque. Et je l'ai appelé et je lui ai dit « voilà, j'ai une proposition à te faire, qu'est-ce que t'en penses ?» Et Didier a dit « oui, tout de suite ». Et encore une fois, bravo à lui, parce que moi, j'ai pas de background, je suis pas animateur, je suis pas journaliste, rien du tout. Et il m'a fait confiance. Et c'est ça toujours que j'ai aimé chez Didier, c'est que je sentais sa confiance, son ouverture. Et je te remercie vraiment Didier parce que c'était précieux. Tu m'as donné des inspirations, des noms d'invités,
tu m'as facilité la vie et tu m'as laissé beaucoup de liberté aussi dans cette émission. Et vraiment, du fond du cœur, je tenais à te remercier pour ta présence. Et merci. voilà, c'est vraiment précieux et Merci merci beaucoup, Olivier. Didier. Merci Olivier. On a également avec nous Michel Guess. Michel, bonjour. Bonjour Morgane. Alors, tu es à l'antenne de la radio, on peut t'entendre. Avec Didier, bien sûr. Avec Didier aussi. Bonjour Didier. En fait, ça fait longtemps que je te connais. On s'est vu pour la première fois chez Jean-Philippe Riquel, où tu nous donnais des cours de yoga. En fait, on s'est revu plus tard avec Jean-Philippe au studio. Et puis on a été en contact plus récemment, où j'ai tenté d'aider techniquement la radio à optimiser le son et à démêler quelques problèmes, avec plus ou moins de succès, je l'avoue. Mais bon, en tout cas, j'espère avoir contribué au fonctionnement de cette radio. Et puis je voudrais te dire que Didier, tu as parlé de choix tout à l'heure en ce qui te concerne. En fait, quel que soit ton choix, il faut que tu saches que tu as accompli beaucoup de choses et que, notamment pour cette radio ici et maintenant, tu t'es battu contre vent et marée à deux reprises pour que cette radio continue d'exister. Et tu vois, dans tes accomplissements, eh bien là, tu as réussi cette chose-là, de maintenir cette radio et de maintenir cette liberté de parole qui existe rarement sur les radios de notre pays. Donc tu devrais aussi prendre en compte cet accomplissement parmi les autres, et notamment ta promotion de la spiritualité, de la dimension que tu as. Et donc c'est quelque chose qui restera, tu vois, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans tes batailles, tu en as gagné beaucoup. Et cette bataille pour la radio, je tiens à te dire que c'est une réussite et que tes efforts ont été suivis de succès. Donc félicitations pour ça, Didier, et c'est quelque chose qui nous restera. Merci Michel. Merci. Et tout est blanchi de ce qui s'était passé entre nous. J'ajoute que peu de gens ont la chance de connaître à l'avance le moment de leur départ. Je te souhaite Le le meilleur pour tout le temps qui te reste sur cette planète. Oui, j'ai beaucoup de chance. Alors, à présent, merci beaucoup, Michel Guess. On a avec nous Daniel Goldschmidt. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Bonjour Morgan. Daniel. Je dois dire que depuis hier soir où tu m'as envoyé cet SMS, j'ai mal dormi et ce matin j'étais pas très bien, mais faut bien continuer, hein. Et ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre la voix de Didier. Peut-être qu'on l'entendra pas très longtemps, mais on n'entendra pas non plus la mienne très longtemps de toute façon, parce que on a à peu près le même âge et il y a toujours une sortie à un moment donné. Donc tout ce que je peux dire, c'est que Didier m'a apporté beaucoup par sa présence, pareil, j'ai la même façon de voir les choses. Il sait faire confiance. Et au départ, j'avais fait des émissions en tant que thérapeute, psychologue et thérapeute. Et ensuite, par là, comme ça, c'est venu un peu entre nous. Il y avait quelque chose qui passait dans les regards. Il m'a dit, tiens, tu devrais prendre l'antenne. J'ai pris l'antenne la nuit, j'ai pris l'antenne le week-end. Et on a parlé pas mal de choses intéressantes, psychanalyse, psychologie. On allait un peu plus loin puisque je pratique l'hypnose, donc on est parti dans l'hypnose. Et c'est vrai que lorsqu'on pratique ce type de choses, qui ont pour point commun la transe, en fait, on a une vision effectivement de la vie et de la mort qui devient différente. Et j'ai été un peu choqué par ce que j'ai entendu hier soir, mais d'un autre côté, je suis plein d'espoir pour la suite et je sais que tu resteras avec nous.
et pour toujours. Voilà. C'est bien. J'ai du mal, je vous j'ai tiens du mal au courant. À continuer. Et je vois pas quoi ajouter. Non, en mais c'est là, je n'ajoute rien. Là. Je suis sur le départ. Merci, Daniel. Je t'embrasse. Merci, Daniel. Merci, Didier, je t'embrasse. Moi aussi. Merci à tous. Mais mon cher Didier, je vais te demander quelque chose, s'il te plaît. C'est David. Je vais te demander autre rendez-vous, comme aujourd'hui, pour que les gens aussi puissent parler avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça va. Ça ne me dérange pas. D'accord. Est-ce que tu vas nous fixer la date pour quand, demain, après-demain, le soir, l'après-midi? Demain, je vais dire, soit on poursuit le dialyse dans un autre endroit, soit je leur dis, vous avez raison, c'est plus raisonnable d'arrêter les médicaments. Mais c'est un choix. On verra demain, mais ça va pas tarder. Je suis sûr et certain que tout le monde va bien parler avec toi pour ça, et je préfère que tu autorises d'autres rendez-vous avec tes auditeurs, okay. Didier. Ça marche. Merci, je t'embrasse, Didier. Didier, on a Jean-Marie Télange aussi. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Didier. Merci, Didier, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les auditeurs, d'ailleurs, tous les auditeurs. Les intervenants, le personnel, vos amis, tout le monde vous envoie tout notre amour, nous envoyons tout notre amour, notre lumière pour votre soutien, pour votre reconnaissance, pour vous remercier également, oui, voilà, par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous êtes un pionnier de la radio, vous avez créé, vous avez animé cette radio avec courage et ténacité. Je ne manquerai pas d'invoquer votre ange Aziel après l'émission. D'accord. Afin qu'il vous aide dans ces moments un peu délicats et très délicats pour vous. Ouais. J'invoquerai votre ange Aziel, Didier. Il faut rester avec nous, que votre lumière soit et sera toujours avec nous, parmi nous. Ouais. Je vous embrasse, Didier, et courage. Merci. Moi aussi, Jean-Marie. Voilà. Je vais invoquer l'ange Aziel pour vous, à la suite de D'accord. l'émission. Ceci dit, vous avez quand même une très belle énergie. Vous avez une belle âme, vous avez une très belle énergie. Et je vous souhaite un bon rétablissement. Voilà. Au revoir, Didier. Je vous embrasse. Moi aussi, Jean-Marie. Merci. Merci, Morgane. Cher Didier, c'est Laurent qui est là. Il va parler avec toi, Laurent. Bonjour, Laurent. Oui. Salut, David. Salut, c'est Laurent Fent à l'appareil. Bon, ben voilà, ils ont eu connaissance, grâce à Olivier Vinet, de la situation de Didier. Je voulais profiter pour écouter ses mots et le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a eu l'occasion de me donner durant toutes ces années. Ce que je souhaiterais, c'est vraiment mettre en perspective tout le partage qu'on a pu avoir ensemble. Ça a été que du bonheur pour moi, en tout cas. Et voilà, donc c'est le grand départ, c'est pas rien. Je sens la sérénité quand j'écoute Didier, ça me fait plaisir.
Et il y a une phrase, je crois, soufie, qui dit que lorsqu'on a des problèmes relationnels avec les gens, eh bien, ma foi, on les écrit dans le sable. Et lorsqu'on a des moments de joie, on les écrit dans le roc. Ben, c'est surtout ça, en fait, qui est important. C'est de voir ce qui nous a réunis, tout ce qu'on a pu partager les uns avec les autres, tout ce qu'on a su se donner en amour, en chaleur humaine. J'ai eu l'occasion et la chance de vivre durant un an chez Didier, à la radio. Ça a été des moments, durant, de toute façon, ces 13 années de pur plaisir. Donc voilà, je voulais juste te dire, Didier, que je t'aime. Un grand merci pour tout et que ta route soit longue pour la suite. Et puis, écoute, hein, de toute façon, on ne manquera pas de se revoir à un moment donné ou à un autre. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Merci. Merci Laurent. Une page bibliographique, je cite, lire le Bardot-Odol, vieille collection, et si vous préférez, en français, la traduction de Timothy Leary. Voilà. Traduction, Timothy Leary. Donc, j'imagine que tu fais écho au livre que tu as traduit de Timothy Leary, ici et maintenant. Enfin, c'était pas celui de Timothy Leary, d'ailleurs. Non, il est en français. Oui, il est en français, oui. Et c'est brillant. Oui. Leary, quand il est parti, il a demandé à ce qu'on le mette dans un tube à cigare et qu'on l'envoie dans l'espace. Ouais, voilà, on fumera un gros cigare. Voilà. Bon, écoute, beaucoup je de sérénité. Je sais pas si je dois vous laisser maintenant ou plus tard. Bah non, on n'a pas envie de te laisser. Et Laurent, Didier et d'autres, tu sais, c'est difficile. Le moment est tellement difficile, Didier, je vais te dire une chose, que tu le sais, pour nous, le moment est tellement lourd et difficile à supporter. Mais pour l'oiseau, quand il veut s'envoler, la lumière, quand il veut s'éterniser, c'est autre chose. Mais il faut penser à tes enfants, à tes élèves, et à tout ce que tu as laissé, Didier. Que chaque jour, je pense à tout ce que tu as fait pour 4 générations. Tous les 10 ans, on peut dire une génération et 4 générations, Didier, tu les as sauvés. Je me rappelle, Didier, quand on était dans l'immeuble Tour de Seine, plusieurs fois, j'avais des gens qui nous téléphonaient en disant, grâce aux émissions de Didier Doplège, on voulait partir, ne plus rester dans ce monde. Mais l'espoir, c'était la radio ici maintenant et Didier Doplège. Ce n'était pas seulement libre expression du peuple avec toi. Et ça, c'était de sauver les âmes perdues pendant toutes ces années-là. Et toi, l'exemple, mon cher Didier, devant toi, parmi nos amis qui viennent de témoigner, comme quoi la lumière de Didier Doplège et la sagesse de Didier Doplège, que nous le connaissons depuis 40 ans, mais il est éternel, puisqu'il est éternel, une liane éternelle avec la lumière. Cette lumière va rester comme le soleil, il reste et il donne l'énergie. Et c'est toi qui nous as donné des énergies de rester, de travailler pour le peuple. En été, tes soldats, Didier. En été, tes soldats, nous sommes toujours tes soldats, mon cher maître. Merci.
merci à Dieu. Encore merci. J'espère que vous avez tous noté les références de bouquins. Oui. Bon, je fais une pause pour boire un coup de jus de clémentine. D'accord. Vas-y, Didier. Alors, on attend et on se retrouve après, alors, Didier, puisque d'autres personnes ont également envie d'intervenir. Même les auditeurs, vous pouvez appeler pour échanger avec Didier. On a l'auditeur Sébastien qui en attente également. Donc le numéro, c'est le 08 92 23 95 20. On a un auditeur, l'auditeur Sébastien, qui voulait échanger, intervenir. On l'écoute, Sébastien, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Didier. Ce qui m'intéresse là, c'est que je t'entends, tu nous entends, hein, et tu nous permets de nous offrir tu nous offres encore ce moment où on peut te remercier pour tout ce que tu as pu apporter à tous ceux qui ont cette volonté de s'exprimer, hein, et tu as offert la postérité à toutes nos pensées, à toutes nos réflexions, et ça n'a pas de prix, hein. Et je pense que en termes d'achèvement, Didier, toute ta vie a été un achèvement, parce que pour porter tout ce que tu as porté, hein, et le donner comme tu l'as donné, c'était déjà quelque chose d'inaccessible pour la plupart d'entre nous. Et je te remercie d'avoir eu les épaules pour faire tout ça, hein, et pour que les synchronicités de la vie qui nous portent à tous. On fait que moi j'ai pu entendre cette radio qui m'a tant apporté, hein, et à laquelle, si l'occasion en est donnée, je continuerai à m'investir, hein, pour dans cet organe, hein, cette pensée discursive que tu as mis, que tu as monté de toutes pièces, hein, pour accueillir toutes nos réflexions et pour en faire émerger la conscience. Ce qui manque le plus et ce qui va le plus nous manquer. Mais grâce à toi, on aura toujours ce support dans l'avenir pour continuer à la faire prospérer. À ta mémoire, Didier. Je te salue et je te remercie encore. Ok, Sébastien. Un grand merci. Merci, Sébastien. Alors, oui. Au revoir. On a à présent l'auditeur Philippe, un auditeur avec nous. Philippe, bonjour, on t'écoute. Bonjour, Philippe. Pour moi, monsieur Didier Pêche, vous voyez, vous êtes un génie. Vous êtes vraiment un génie. Donc un génie, ça ne s'explique pas rationnellement. Vous êtes une personne qui a ouvert les esprits, les cœurs des personnes qui n'ont pas connu votre période, c'est-à-dire les périodes des années 68, 70, où effectivement il y a eu une telle créativité. Et j'étais tellement heureux de vous écouter, que ce soit pour vos émissions sur les extraterrestres, sur Jacques Benveniste, sur plein de choses. Vous êtes vraiment un génie. Voilà, je peux pas dire autre chose. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous. Vous êtes, je pense, ce qui est fait de mieux dans les années 68, une créativité, une étincelle. J'aime pas le terme de gourou, mais quand même, vous êtes une personne exceptionnelle. Et donc, à ce titre, je suis vraiment très, très peiné de vous écouter de cette façon, enfin, la façon dont vous vous exprimez. Je souhaite pour vous que vous restiez avec nous. Il faut absolument que vous résistiez. Il faut absolument que vous restiez avec nous, simplement pour les auditeurs qui vous aiment. Et moi, je vous aime.
parce que votre radio, c'est une radio exceptionnelle, hein, qui donne pratiquement la libre parole à tout le monde, y compris d'ailleurs aux gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais vraiment au niveau spiritualité, au niveau écoute des autres, au niveau, on va dire, transgénération, si je veux dire. Je ne sais pas comment dire, mais vous êtes un peu intemporel, c'est-à-dire vous êtes une personne, je ne pense pas que vous ayez de corps, vous êtes un esprit, comme monsieur Deplèche, vous êtes un esprit, vous êtes une personne, voilà, je ne sais pas comment on va dire, vous êtes une personne qui brille, hein, voilà, et moi je me suis attaché à votre radio dès mon adolescence, dans les années 90, et puis je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir fait des émissions en invitant des scientifiques, des personnes dans le spiritualisme, dans plein de choses, et après que les gens vous critiquent, ça me paraît normal, parce que en fait on critique toujours les génies, quoi. On critique toujours les génies, on critique toujours les gens qui sont au-dessus de nous, quoi. Voilà. Yeah. Donc restez avec nous, ayez cette force pour rester avec nous, s'il vous plaît. Et puis moi j'écouterai toujours cette radio parce que c'est votre émanation. Et vous êtes une personne, encore une fois, ultra brillante, ultra exceptionnelle. Et tous les gens que vous avez invités sur cette radio, sont des gens qui m'ont, moi, ouvert l'esprit. Et puis, je vous suis depuis une vingtaine d'années, voire plus, depuis mon adolescence. Et puis, voilà, je pense que vous êtes unique. Vous êtes unique. Restez avec nous. Je répète, restez avec nous, battez-vous. Restez. Et puis, de toute façon, vous aurez toujours l'esprit, votre esprit avec nous. Voilà, merci. Merci, mais si les organes s'arrêtent de fonctionner, personne n'y peut rien. Didier, on a Sophia avec nous. Sophia, bonjour. Oui, bonjour Sophia, tu es à l'antenne. Je suis Sophia, monsieur Didier. Si je dis monsieur, c'est pas par distance, car moi je vous aime, vraiment je vous aime. Je suis la dame non-voyante. Moi, je suis la dame Sophia, une dame non-voyante qui vous est connue pendant les repas dans les années 1982, quand on allait au repas des auditeurs. Et je suis la dame non-voyante. Il y a longtemps que je... Ces temps-ci, j'écoutais la radio, mais sans trop de d'entrain, sans trop de... Bon, il y a des raisons pour ça. Et aujourd'hui, il a fallu que je vous entende, il n'y a pas de hasard. Je voulais vous dire, restez avec nous. Comme monsieur Paul Jean-Marie Télange a dit, il croit en votre ange. Qu'on soit athée ou croyant, moi je prie pour que ceux à qui vous croyez, en vous-même déjà, en votre famille que vous chérissez, nous sommes votre autre famille. Et moi, personnellement, je vous aime vraiment, vraiment, comme un père, comme un frère. Je sais pas si vous êtes plus âgé ou plus... Bon, vous avez fait un geste que je n'oublierai jamais, qui m'a fait grandir l'être humain à mes yeux. Je ne vois pas, mais j'aime bien ces petits signes de... Ça a fait grandir l'être humain. Vous m'avez fait toucher votre visage. Et vous m'avez dit, Sophia, c'est comme ça que vous m'imaginiez. Et je vous ai dit, vous êtes aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Didier, je vous aime de façon... Je ne philosophe pas, je dis ce que je ressens, car je suis quelqu'un de passionné. Soit je deviens silencieuse, soit je parle avec mes tripes. Je vous aime de façon universellement humaine. Je ne sais pas pourquoi ce sont ces mots qui viennent à moi. Et croyez en vous, en votre ange,
qu'on soit croyant ou athée, moi en tout cas je prie pour vous, ce n'est pas que Dieu, que ceux à qui on croit ou on ne croit pas, vous garde, vous sauvegarde, que vous restiez avec nous, avec votre famille qui vous adore, et nous sommes votre autre famille qui nous aimons très 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 fort, car vous avez formé des générations. Merci. Mille fois merci d'exister, et tenez, restez avec nous. Voilà, on tient à vous. Merci. Et on vous aime, on vous aime. Merci, Sofiane. Si ça doit se passer, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Sinon, on verra bien. Comme elle a dit, Sophia, Didier, ça dépend de toi. C'est à toi que nous avons appris la force de l'esprit. La force de l'esprit est ta lumière. C'est ça qui commande. Didier doit rester et il va rester sans aucun problème, Didier. C'est toi et c'est ton esprit. Et c'est la lumière de toi. Tu dois rester avec nous. Tu peux rester avec nous. Hermès, elle est à côté de toi. Ta sœur, oui. Regarde, elle est là. Et moi, je suis prêt à venir rester à côté de toi. Reste avec nous. Comme tu peux constater, c'est la volonté de tes soldats. Les soldats que tu les as formés pendant plusieurs générations. Tu peux rester, Didier. Nous avons appris de toi. C'est Didier qui nous a appris la force de l'esprit. C'est quoi? C'est pouvoir faire l'impossible. Merci, David. Merci. De rien. Mais autre rendez-vous, et Morgan, il va prendre de toi et Hermès. Cher Hermès, je vous embrasse. Et merci. Et ta soeur? Isabelle. Oui. Isabelle, on le remercie, je les embrasse, Didier. Et s'il te plaît, tu dois rester avec nous. Tu es la lumière, je t'assure. Didier, attends, je te dis quelque chose. C'est très intéressant. Suite à tout ce qu'ils ont dit, je vais te dire quelque chose. Quand je te dis plusieurs générations sont tes élèves, un enfant de 5 ans, quand il avait 5 ans, grâce à toi, il a écouté tes émissions d'extraterrestres jusqu'à maintenant qu'il a 9 ans. C'est un amoureux. Je t'assure, c'est un amoureux de Didier Doplège. Et il suit les extraterrestres, les histoires à droite, à gauche. Il est formé, il sait énormément de choses. Et il m'a dit tout à l'heure, papa, je veux venir avec toi. J'ai dit, mon fils, tu restes là. Mais tu as la salutation d'un enfant de 9 ans qui est devant nous ton fidèle, ton élève. Et la lumière que tu as, il a déjà été dispatché partout, qu'ils soient nos amis qui nous écoutent depuis 40 ans, ou les gens qui avaient 5 ans, 4 ans, qui t'ont connu. Et maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, Didier, la lumière, cette lumière de l'espoir, de la sagesse, doit rester, Didier, tu peux rester avec nous, tu dois rester avec nous. Morgan. D'accord, alors je voulais juste partager quelques mots avec Didier, je viens de reprendre mes esprits, j'ai fait une bonne inspiration et expiration, comme l'a appris d'ailleurs Didier. Donc s'il est ok, juste voilà, qu'il puisse... Didier, tu m'entends? Oui, oui. Didier, avant de travailler à la radio, je te connaissais puisque je venais accompagner mon père lors de ses émissions la nuit. Donc je te considérais comme mon tonton, tu étais mon tonton et après tu es devenu mon patron, mon boss, mais mon maître aussi puisque tu m'as appris énormément de choses. Tu es la personne avec qui j'ai le plus parlé peut-être de toute ma vie. Tous les jours, notre rendez-vous de 13h et par la suite 19h pour le débriefing, des moments où on parlait des émissions, mais pas seulement, des moments où on parlait de tant de sujets comme de meilleurs amis. Et j'oublierai jamais ces moments et tout ce que tu as pu m'enseigner et que tu m'enseigneras encore, j'espère. Je peux tellement, il y a des souvenirs et des choses précieuses que
tu m'as dite en parler pendant des heures, mais je veux que tu saches que je t'aime énormément. On avait déjà eu l'occasion de parler de cette histoire de salle d'attente dont on t'arrêtait pas de parler, et tu connais, je pense, mon avis par rapport à ça et comment je suis quand on parle de ce genre de choses, et le mal que j'ai peut-être à accepter les au revoir, mais c'est en tout cas, je sais, toi qui fais ce que tu souhaites, donc voilà, c'est toi qui décides, mais sache que voilà, okay. on t'aime et je t'aime beaucoup. Ok, Morgane, moi aussi, affaire à suivre. Oui. À bientôt. Bisous. C'est Didier, je t'embrasse. Hermès, je t'embrasse. Didier, si tu permets, je veux te faire un autre cadeau de 15 secondes. Hermès, écoute, oui. Hermès. Oui. Moi, ma femme, elle est avocate. Et voilà. Elle te connaît mieux que toi, peut-être. Elle suit toutes tes conférences, toutes tes vidéos. Et Didier, ta fille est déjà une étoile dans notre foyer. Et ma femme, tous les jours, parle d'Hermès et tous les propos qui sont très, très éducatifs, Hermès, pour les jeunes. Et moi, j'ai l'exemple chez moi à la maison. Ma femme, que tu l'as jamais vue, tu l'as jamais parlé avec elle, tu es pour lui une star, Didier. Toi, Didier, okay. Tu es une star, ta fille, et cette lumière doit rester avec nous. Ok, je me repose. Là. Oui. Je t'embrasse, Didier. Bisous, Didier. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio, ici et maintenant, pour les personnes qui ont eu l'occasion de suivre les émissions cette semaine, vous êtes informés de l'état de santé de notre cher Didier Deplège, fondateur de la radio ici et maintenant. Vous le savez, Didier Deplège a donné toute sa vie pour cette radio, pour la faire maintenir et pour permettre un maximum de personnes de profiter de la liberté d'expression et exprimer leurs pensées sur notre antenne. Et il a imaginé et réalisé des émissions historiques, si enrichissantes, si merveilleuses, afin de nous permettre de voir le monde autrement. Il s'est battu pour cette radio à plusieurs reprises, en risquant même sa vie et en faisant une grève de la faim pendant plusieurs semaines. Alors, bien entendu, je vous en dirai plus par rapport à tout cela. Et l'histoire de sa vie, en tout cas le résumé, le peu de pour que ce soit voilà pas très long, mais un petit résumé, puisqu'on ne peut résumer aussi une vie aussi riche, mais ce sera un peu plus tard, voilà, où je souhaite en fait partager avec vous sa fameuse page Wikipédia. En tout cas, oui, Didier Deplège est un battant, un vrai guerrier. Son expérience de vie est digne d'un film de cinéma, d'un best-seller, et tout son parcours mériterait des centaines de récompenses. Comme le pensent la plupart des personnes qui ont croisé son chemin, Didier Deplège, c'est un génie, c'est un maître. Il nous a tant donné et appris. Alors personnellement, chaque jour, à chaque occasion où on discutait ensemble, bien, j'apprenais de nouvelles choses, et ça a toujours été comme ça. Et c'est même toujours le cas aujourd'hui encore. Et oui. Hier encore une fois, lorsqu'on est allé le rendre visite à l'hôpital, il a continué à m'enseigner de nouvelles leçons de vie. Donc votre soutien à son égard et tous les messages et appels reçus de la part des proches, des amis, des auditeurs, des anciens animateurs et intervenants de la radio ces trois derniers jours, lui ont donné énormément de force et de joie. Et il a souhaité, grâce à vos encouragements et aussi son côté aventurier, il a décidé et choisi de se battre encore dans cette nouvelle étape de sa vie.
Vous connaissez le slogan de la radio, c'est « J'arrête quand je veux ». Et mis à part Didier qui a créé cette radio, personne d'autre ne peut décider quand est-ce qu'il va arrêter. Alors ce n'est plus un secret, vous le savez sans doute déjà, la radio ici et maintenant, c'est comme une famille, et donc comme la famille, vous êtes au courant de toutes les étapes et les informations sur l'état de notre cher Didier, car c'est surtout lui qui le souhaite, car il a toujours été dans le partage de l'information, et encore une fois, je le répète, toute sa vie depuis, en tout cas, plus de 42 ans, ça a été cette radio, les auditeurs. Donc, c'était le mercredi 21 décembre 2022 au soir avec David Abbassi, l'un des anciens de la radio ici à maintenant et également mon papa, où nous sommes allés le rendre visite à l'hôpital et où nous sommes restés avec lui également le lendemain, donc c'est-à-dire hier, toute la journée. Alors il avait toute sa conscience, toute sa tête et était vraiment très heureux d'entendre tous les messages que vous aviez laissés pour lui, beaucoup de messages qu'on a reçus par email, également sur le forum, les appels hors antenne, voilà tout ça, j'avais préparé et rassemblé tous ces messages-là et je les ai partagés avec lui et il était vraiment heureux, ça lui a donné de la force. Ses enfants, Chepel et Hermès, étaient également auprès de lui. Ses enfants qui, tout comme lui, sont des guerriers, font tout leur maximum pour réaliser les souhaits de leur papa. Ce qu'ils font pour lui est vraiment admirable. En tout cas, c'était un moment magique et inoubliable hier, cette journée en compagnie de Didier. Du début de notre visite le matin jusqu'au soir, et il n'avait pas envie de se reposer, il avait envie de continuer les discussions et les échanges avec nous. Il posait encore beaucoup de questions par rapport à la radio et comme je vous le disais, continuer à transmettre ses enseignements. Il a voulu répondre à des questions que lui avait donc qu'on lui avait posées aussi dans les messages et j'ai enregistré sa voix. Je vais les partager les petits enregistrements avec vous. Il a eu l'occasion aussi de parler au téléphone avec quelques anciens animateurs, des animateurs que les anciens auditeurs de la radio connaissent comme Alexandre ou d'autres animateurs qui lui ont laissé des messages comme Jean-Paul Bourg, Tristan Moir et voilà encore d'autres, enfin plein d'autres personnes. Voilà, j'ai transmis en tout cas tous les messages à Didier et tout à l'heure d'ailleurs on a encore quelques personnes qui vont intervenir, vous aussi même si voilà, c'est pas toujours évident de discuter dans ces moments-là, vous pouvez tout à l'heure intervenir puisque Didier est à l'écoute de l'émission. Voilà, il est à l'écoute, il sera pas en ligne forcément puisqu'on a enregistré donc les questions, deux questions en tout cas hier, et j'espère voilà qu'on va pouvoir encore faire d'autres petites interviews avec lui tant qu'il se bat et qu'il est avec nous, puisque vraiment, vraiment c'est une source d'information, c'est un génie, encore une fois, comme l'a dit et l'ont dit pas mal d'entre vous. Donc là, pour l'instant, deux petit enregistrement que je vais partager avec vous. À la suite, nous écouterons quelques interventions de proches. Et puis, j'ai envie voilà, de vous lire, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus tard, le parcours et la page Wikipédia de Didier, puisque voilà, il n'y a pas tout, c'est vrai, sur Wikipédia, mais bon, j'avais envie de relire sa page, même si voilà, j'ai déjà pas mal
d'éléments et je connais déjà beaucoup de choses sur lui, surtout grâce aux histoires et à ses expériences qu'il m'a racontées. Mais j'avais envie de relire sa page et je me suis dit bah, pourquoi pas la lire à voix haute, à l'antenne, pour qu'on revoie encore son parcours. En tout cas, voilà, pour résumer, pour répondre aussi à toutes les personnes qui voulaient en savoir plus sur l'état de Didier, il est encore là, c'est un battant, c'est un guerrier. Il n'a pas peur, vous savez, du départ, vous le savez mieux que tout le monde, j'imagine. Mais c'est juste que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il arrête et quand est-ce qu'il commence son nouveau voyage, que ce soit aujourd'hui, demain, dans deux jours, dans un an, dans deux ans, c'est lui qui décide. Et pour l'instant, il a décidé comme ça. Donc voilà. C'est, en tout cas, ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie de le retrouver hier, énormément de force d'échanger avec lui. On va écouter maintenant ces deux extraits que j'ai enregistrés à l'hôpital. Par contre, voilà, c'est vraiment les extraits bruts. On n'a pas forcément fait couper, cliner les petits extraits, mais ça dure en tout 4 minutes, je pense. Donc voilà, c'est tout de suite qu'on écoute ça. À tout de suite. Après, on va prendre des interventions. Comme vous le savez, j'ai annoncé hier ou avant-hier un possible départ. Et il y a plusieurs choses à dire. Je ne veux pas me répéter, je suis éventuellement sur le départ parce que les autorités médicales pensent que j'en ai plus pour très longtemps. Ils sont malgré tout à la recherche d'une solution. Alors, je voudrais ouvrir un chapitre, petit chapitre, sur la prière et la... et la concentration. Ceux qui prient pour les disparus se disent parfois, je n'ai cessé de répéter son nom, j'ai prié les saintes autorités afin qu'il lui soit donné une vraie vie, mais je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je pense que une prière n'était efficace que si elle est accompagnée de la visualisation qui correspond. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, il ne sert pas à grand-chose de répéter le nom de la personne soutenue, mais simplement, il faut que l'esprit soit en accompagnement de ce que l'on veut obtenir. La visualisation. Exact. C'est super important. Voilà. J'essaye de faire court. Il vous appartient de compléter vos propres
vos propres recherches. Merci beaucoup, Didier. Merci. Hors antenne, une autre question. Si le sort Didier décide que c'est le départ qui convient le mieux, bah évidemment la question se pose tout de suite de savoir qui pourrait éventuellement le remplacer. À le remplacer, je vois personne d'autre que Morgan comme directrice d'antenne. Merci Didier. Daniel, bonjour, j'espère que tu m'entends, tu es à l'antenne. Je suis toujours un petit peu surpris d'être à l'antenne parce que ce n'est pas une habitude. Mais bon, je l'avais déjà été avec toi et c'est difficile de commencer. Je vais parler librement et puis tu me diras quand il faut, on laissera la place aux autres intervenants. Je pense qu'ils sont très nombreux. Et alors Didier, je suis tellement heureux qu'ils m'entendent. Et moi, je l'ai entendu tout à l'heure et j'ai remarqué un changement dans sa voix, dans la force de sa voix, et c'est comme si un petit miracle se dessine, parce qu'il a l'air d'aller carrément un petit peu mieux. Et moi, je suis réanimateur médical, donc on traite avec des gens entre la vie et la mort, et on ne parle pas de miracle dans notre métier, mais je m'y autorise. Alors, Didier, c'est vraiment une histoire, comment la dire avec des mots. Je crois que ça fait depuis 22 ans que j'étais tombé un petit peu par hasard sur Ici et Maintenant, parce que je suis un grand fan de radio et je scanne les radios comme ça, je connais toutes les fréquences, et pourtant je reste sur 6-7 radios, mais Ici et Maintenant, elle avait vraiment quelque chose de tout à fait particulier, et je sors des propos d'une grande banalité pour les auditeurs de cette radio. Il y avait ce côté spiritualité, ce côté inventif. Mais alors, ce que je mettais vraiment de côté, c'était ce mardi entre 23h et 6h du matin. Et on entendait le passage de Néo vers Ici et Maintenant. Et j'attendais, et brutalement se mettait cette espèce d'harmonium dont la note d'eau était maintenue par un morceau de carton pour qu'elle résonne. Et c'était un morceau dont je connaissais pas du tout le nom. Et c'était musique pour un harmonium trouvé dans la rue, créé par Simon Jeffes, un génie dont on avait fait le principal reproche d'être mort à 39 ans. Et c'était d'une tumeur cérébrale, hein. C'était pas de son fait. Donc c'est dire le génie que c'était. Et moi j'étais tellement fasciné, c'était à une époque où vous aviez besoin de sous parce que vous étiez indépendant et c'était la période de pandémie, et j'avais pu me rapprocher de cette radio. Et j'étais tout content de voir des courriers, parce que j'étais passé par courrier postal, mais c'est un peu moi, et je reçois un courrier de Didier. Et pour moi, c'était juste fabuleux. C'était surréaliste. Et il m'avait justement donné ses paramètres, c'est-à-dire quelle était cette musique complètement décalée par rapport au thème qui était les extraterrestres. C'est une musique qui a l'air de sortir de la campagne, enfin. Et c'est justement, ça résume presque cet état d'esprit. Pour parler de Didier, je pourrais avoir des gros dictionnaires. Alors il y a des termes, évidemment. Un maître, un père spirituel, un génie. Mais ok, je crois qu'il faudrait peut-être trouver un mot pour Didier. Je crois que c'était Didier de Plège. Et pourquoi je parle au passé? Je veux qu'il vive. C'est Didier de Plège et voilà quoi. C'est one of a kind, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire il n'y en a pas deux. Et petit à petit, on s'était rapprochés, c'est-à-dire que
il m'avait demandé si ça m'intéressait de parler un petit peu de ma vie, parce que c'est vrai que j'ai une vie très excitante. Et puis un beau jour, je m'en souviens, c'est toi qui m'avais appelé à la maison, j'entends ta voix, qui m'est tellement familière. Et à un moment où j'étais un petit peu pressé parce que je devais, bon, peu importe, partir. Et le lendemain, voilà Didier qui m'appelle. Et c'était là, c'était en avril dernier. Et je m'installe tranquillement, on avait papoté pendant toute une heure. Et comme si on se connaissait depuis toujours, on s'était tutoyé tout de suite. Et il m'a raconté carrément toute l'histoire de cette radio dont il est le fondateur. À l'époque, j'avais calculé qu'il devait avoir 22 ans quand elle était passée sur la bande FM. Et c'était un des grands moments de ma vie. Parce que là, on n'est plus dans mon métier qui est la médecine, je fais de la recherche, dans mon métier de réanimateur. En une phrase très courte, je développe un instrument qui nous permet de voir nos patients. Ça s'appelle l'échographie, tout le monde connaît, mais j'avais un petit peu, ou beaucoup, ça dépend des versions, modifié le mode d'emploi. Et bon, j'étais très isolé pendant pas mal de décennies, comme tous les innovateurs. Et maintenant, je ne sais plus où donner de la tête, c'est très bien. Et je ne m'en plains pas. Et voilà. Ma vie de chercheur m'avait fait rencontrer une divinité vivante en Inde qui s'appelait Lata Mangeshkar, qui nous avait quitté ce début d'année 2022. Et c'est à cette occasion que j'avais voulu lui rendre hommage en passant à l'antenne d'ici et maintenant. Et c'est un petit peu ça qui a initié notre contact. J'ai évidemment énormément d'émotions de savoir que Didier ne va pas bien. Bon, il a une voix qui laisse à penser qu'il a énormément de ressources, mais bon, je suis médecin et je fais comme tous les médecins, on espère le mieux en se préparant pour le pire. Mais j'ai envie de te dire, Didier, puisque tu nous entends, il faut que tu restes avec nous. Toute alternative serait inenvisageable. Il faut que tu restes avec nous. Et pour t'entendre, et on entend aussi cette introduction éternelle de Eckhart Tolle, phrase que je connais par cœur, mais que j'adore entendre à chaque fois à 6 heures du matin, je suis debout depuis longtemps. Et tout ça sont des choses, voilà quoi, ici et maintenant, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la vie de très nombreuses personnes qui m'écoutent et qui se reconnaissent. Et c'est difficile de trouver des mots adaptés à la situation actuelle, alors que, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, tout simplement. On a l'impression que les gens autour de nous sont éternels, et puis à un moment, on s'aperçoit que, ben non, ils peuvent peut-être nous fausser compagnie, alors qu'ils faisaient partie de notre quotidien, et nous aussi, on faussera compagnie un jour à ceux qui nous aiment. Donc il faut se dire qu'on s'aime pendant qu'on est capable de se l'entendre dire, et voilà, c'est un message que je donne à toute l'équipe d'ici et maintenant, et puis à Didier, bien évidemment. Un grand merci, Daniel Lichtenstein. Merci beaucoup et encore une fois merci pour ton aide si précieuse depuis hier. Voilà, on rediscutera ensemble. Ce fut un plaisir de t'entendre à l'antenne et je suis sûre que ce fut le cas également pour Didier. Oui, il n'est pas question qu'on s'arrête là, et je te contacterai, on se contactera de toute façon, quelles que soient les évolutions possibles, je resterai avec vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Daniel, à bientôt. À bientôt. Alors, Thierry Penin avec nous. Thierry, que vous connaissez sans doute, il a fait des émissions, les émissions Énergie Positive sur Radio Ici et Maintenant. Thierry, bonjour. Bonjour Morgane. Alors tout d'abord, félicitations pour ton futur poste de directrice des programmes de Radio Ici et Maintenant. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Juste avant 14h, j'ai envoyé un petit mail à Didier
pour lui dire qu'on l'espérait avec nous au moins encore une bonne décennie, voire peut-être deux. En tout cas, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais je voulais le saluer par l'intermédiaire de l'antenne et la FM. Donc, salut Didier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Et ben, je voulais te remercier, l'homme de radio que tu es, le grand homme de radio, un des premiers hommes de radio libre, si c'était le premier d'ailleurs. Hein. Je crois que j'ai fait effectivement peut-être deux petites années le vendredi soir dans Énergie Positive. En y repensant, je me suis dit que... Bon, j'ai fait de la radio avant RIM, mais j'en fais encore. Mais je crois que ce qui m'est venu, c'est que, eh bien, Radio Ici et Maintenant a été pour moi l'intermédiaire entre, on va dire, la radio classique, hein, le programme habituel de Radio FM, Radio classique, mais la radio standard, et la radio, on va dire, spirituelle, questionnante, inspirante. C'est vrai que quand on s'est rencontrés et que j'ai découvert Radio RIM, j'ai dit, voilà, là, je me suis retrouvé un petit peu, je me suis dit, tiens, voilà une radio où l'on peut aborder des sujets. On en parle en ce moment pour Didier, comme la vie après la mort, comme toutes ces questions existentielles. Et on se dit qu'avoir une antenne comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et longue vie à Didier, le plus possible, et longue vie à RIM aussi. Et bravo encore de continuer, Morgane, au quotidien, de tenir cette antenne avec le staff actuel, les autres animateurs, bien sûr. Qui assure le direct comme Didier l'a toujours voulu, du direct du débat libre, hein, et je crois que c'est la seule ou une des seules très rares radios, comme il l'a toujours voulu, d'expression libre, mais libre avec un L majuscule, et c'est ce qui fait la force, que tout le monde puisse s'exprimer, même si parfois on l'entend, les gens peuvent avoir des discours, si ce n'est contradictoires, au moins divergents. Mais le but du jeu sur cette radio, c'est d'essayer de trouver une sorte de convergence et de s'écouter les uns les autres pour arriver petit à petit à s'entendre, à réfléchir, à s'améliorer, hein, à vivre ensemble le mieux possible, malgré des sujets d'actualité plus ou moins chauds, malgré effectivement la vie qui n'est pas toujours simple sur cette planète où on vit. En tout cas, salutations à tous les auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Je t'embrasse, Morgane, et énorme bisous à notre Didier. Merci, bisous, à bientôt, au revoir Thierry. Alors Agnès est avec moi, bonjour Agnès. Oui, bonjour Morgane. Écoutez, il y a deux jours, j'ai appris la triste nouvelle concernant Didier. J'avais même pas la force d'appeler tellement que j'étais bouleversée, parce que j'ai des souvenirs très très marquants. Je me souviens en 1996, quand la radio a failli disparaître, moi j'allais au quai André Citroën pour le soutenir. C'est à ce moment-là qu'il avait fait sa grève de la faim. Et finalement, la radio, elle a été supprimée pendant quelques années, mais elle a repris, je crois, en 2003 ou 2004, je sais plus, mais j'étais heureuse. Et vraiment, j'en ai gardé un très bon souvenir. C'est un monsieur charmant. Et je voudrais faire des prières pour Didier, en lui souhaitant de se rétablir très vite, de ne surtout pas souffrir. Mais franchement, j'ai senti qu'il avait un peu plus d'énergie dans la voix aujourd'hui, par contre. Donc j'espère qu'il va vivre avec nous très 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 longtemps. Vraiment, je lui apporte plein de bonnes ondes et j'ai beaucoup appris par votre radio. Ce serait terrible. On se sentirait orphelin si pas. Moi, je me sentirais très orpheline sur Radio Ici et Maintenant sans Didier de Plège. Je garde de très bons souvenirs. J'ai appris beaucoup de choses par votre radio. Et je voudrais lui apporter tout mon soutien. Il y a une chose, entre parenthèses, que je voudrais vous dire. J'ai essayé d'appeler hier. Tenez-vous bien, j'ai appelé le 0800 92 23 95 20. Je suis tombée sur une autre radio. C'est normal ou pas? Non, il y a eu un bug peut-être.
Ben oui, c'est bizarre, je suis tombée sur une autre radio, on m'a dit non, vous n'êtes pas sur Ici et Maintenant. Et je sais pas, j'ai essayé de vous rappeler aussi vers 2h, pareil. Et puis là, bon, quand vous avez dit les standards sont ouverts, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à vous joindre. Peut-être quand vous fermez votre standard, peut-être ça dispatche sur une autre radio, je sais pas. Bah alors je vais vérifier, mais c'est peut-être c'est parfois l'opérateur Mediakiosk, parce que c'est un service ce 08 qui a plein d'autres 08, plein d'autres. Il y avait peut-être un petit déréglage de leur côté, mais on va se renseigner. Il y avait Voltage Radio, il y avait France Maghreb, enfin il y avait toutes sortes de radios. Alors là, franchement, l'essentiel c'est que je sois tombée sur la bonne station. Mais je voudrais vraiment serrer très fort Didier dans mes bras et lui apporter tout mon soutien. Je ne peux pas imaginer un instant qu'il partirait, c'est pas possible. Non. Et en plus, quand j'ai écouté la chanson de Gérard Palapra, Le bateau de cristal, j'en ai eu les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'elle est terrible cette chanson, elle est terrible. Quand on l'écoute, on est trop ému, hein. Franchement, c'est bouleversant. Là, j'avais même pas la force de vous appeler, parce que quand j'ai écouté Didier, j'étais bouleversée. En tous les cas, je l'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup votre radio. Et si vous êtes nommée directrice de la radio, Morgane, bah écoutez, félicitations. En tous les cas, vous la gérez très bien. Un grand merci à toi. Agnès, et puis pour l'instant c'est Didier notre chef, notre maître, et comme tu l'as dit, on n'a pas envie de se retrouver orphelin. Prions le ciel pour qu'il vive le plus longtemps possible, et je lui apporte plein de bonnes ondes, je prie pour lui, plein de belles choses, il a parlé de prière tout à l'heure, et je vais brûler un cierge pour Didier, pour que sa santé s'améliore, parce que souvent ça marche. Oui. Et ben en plus, il nous a dit par rapport aux prières, comment c'était plus efficace de faire pour que ça fonctionne avec la visualisation. Vous savez, la puissance de la prière, moi j'y crois. Hein. Oui. J'y crois, la puissance de la prière. Et j'irai brûler un cierge pour lui, et je prierai pour que notre cher Didier reste le plus longtemps possible avec nous. En tous les cas, je l'embrasse très très fort, et je souhaite beaucoup de courage aussi à ses deux enfants qui l'entourent. Bravo. Merci beaucoup. L'embrasse très fort, ma chère Morgane, et puis votre papa aussi. Et j'embrasse très fort Didier, ses enfants, et puis vos collaborateurs aussi. Sachez que je suis de tout cœur avec vous, et vraiment toutes mes pensées positives vont pour vous et Didier. Merci beaucoup Agnès. Marie-Jeanne, tu m'entends? Bonjour à tous. Donc je parle à Didier là? Oui, il est à l'écoute. Il entend, oui. Bonjour Didier. Nous vivons tous des moments difficiles, mais c'est une joie pour moi et pour beaucoup d'autres de t'avoir entendu, d'avoir entendu ta voix. Et je ne sais pas comment commencer. Je veux te remercier de tout ce que tu m'as donné, comme tu avais fait avec beaucoup d'autres personnes. Et surtout, je remercie, je remercie les organisateurs de nos destins de t'avoir mis sur ma route, en fait. Nous nous sommes rencontrés, et ça a été une belle rencontre. Et toutes ces années ont été des années merveilleuses en ta compagnie avec la radio. Tu nous as tant donné, le forum avec Kachina, Dessin Burton, Difficult Space, et on a eu des années formidables, et je te remercie de ta confiance. Tu nous as permis des choses que je n'aurais jamais pensé faire, comme je pense aux articles de OVNI USA, par exemple, c'était vraiment assez exceptionnel de ta part de nous avoir accordé une telle confiance. Et merci à la radio et à toi pour cette magnifique chanson. Le bateau de cristal, je n'ai pas la même opinion que la personne avant moi, mais c'est une chanson absolument magnifique. Et je te remercie également, Didier, d'avoir expliqué pour faire une prière efficace que nous devions visualiser ce que nous voulions pour la personne. Donc, quand je ferai les prières pour toi, je te visualiserai heureux, confiant, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie autour de toi, beaucoup d'amour et beaucoup de confiance et de sérénité. Et c'est ainsi que je te verrai. Voilà, je te visionnerai comme ça dans ma tête. Et je te remercie de nouveau pour tout ce que tu m'as donné.
Et je souhaite, Didier, que tu restes avec nous le plus longtemps possible, bien sûr, mais que ton voyage pour toi, que la suite de ton voyage soit riche de découvertes, de connaissances et emplie de joie, d'amour et d'apaisement et de sérénité. Merci Didier, merci, merci, merci. Je t'aime et je t'embrasse. Merci ma chère Marie-Jeanne, merci beaucoup. Merci à toi. Didier a entendu ton message et puis merci aussi pour tout ton aide depuis ces années bénévolement à la radio. Merci beaucoup voilà pour tout ce que tu fais. Prie. Merci à toi Morgane. Merci. Tu m'aides énormément également. Bisous. Bisous et à bientôt. Toute sa famille également qui reste à ses côtés. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors Didier, on a Léa avec nous. Bonjour Léa. Bonjour à vous tous. Bonjour Didier. Alors Didier, moi je suis pas une grande oratrice, hein. Vous le savez. Et je vais peut-être vous faire rire, mais voilà, c'est bien. Je suis pas une oratrice du tout. Voilà. Encore moins que moi. Et grâce à vous. Eh ben, je peux entendre des personnes qui parlent bien, qui savent s'exprimer. Et je crois que ça, c'est votre souhait. C'est votre souhait que tout puisse, ben, voilà, on a fait des études, on en a moins fait. Mais c'est pas grave, finalement. Finalement, c'est de participer, c'est de grandir ensemble. Et puis c'est vrai que des fois, j'arrive même à m'exprimer. Bon. Et ça, c'est grâce à vous. Parce qu'il n'y a pas de radio qui... Voilà, il n'y a pas de radio qui nous autorise beaucoup à parler, c'est filtré, c'est... Voilà, donc c'est un peu gênant, alors on nous refoule un peu. Bon, moi je n'en veux pas, mais bon, mais j'apprécie, voilà, d'être sur cette radio. Alors maintenant, Didier, moi j'ai entendu là, le message juste aujourd'hui, comme quoi vous n'alliez pas très bien. Bon, d'abord, j'espère que ça va s'arranger, et c'est vrai... vous avez dit, il faut visualiser la personne, c'est ce qu'on veut. Mais oui, oui, bien sûr. Et ça, j'avais pas pensé du tout dans mes prières, moi. Alors moi, je vous prie en hébreu, mais tout en respectant votre désir à vous. C'est-à-dire, mon Dieu, ce que désire Didier, eh ben, voilà, dans le respect, voilà, de ses choix, de ses croyances. Je pense qu'il aime beaucoup la nature, que, voilà. Et il aime beaucoup les gens. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Et j'ai envie de remercier ben, toutes les personnes qui participent à la radio, qui sont un peu tristes aujourd'hui, parce que quand quelqu'un est malade, ben, c'est pas facile. Quand on côtoie quelqu'un tous les jours, eh ben, c'est pas facile. Et moi, j'ai envie de vous embrasser très très fort, ben, à tous, aux auditeurs, et de dire merci, merci de nous faire grandir. Merci Didier, de nous faire grandir. Voilà, je vous embrasse très très fort Didier. À bientôt. Attends. Au revoir Morgane. Au revoir. Merci, au revoir Léa. Alors, Herman est aux côtés de Didier, Herman et Isabelle, la sœur de Didier, Herman, le mari d'Isabelle qui sont auprès de Didier, qui le soutiennent. Et si vous m'entendez? Oui, allô? Oui, coucou. Oui. Alors, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites, pour Didier. Et puis, tout à l'heure, en fait, on n'entendait pas trop bien Didier. Peut-être, comme vous étiez à côté, vous pouvez nous retransmettre ce qu'il a dit. Oui, en effet, c'était un peu essoufflé. Mais simplement, par rapport à l'intervenante précédente, il voulait préciser ce qui s'était passé pour l'arrêt de la radio. Et il confirme qu'effectivement, elle a été arrêtée par le CSA à titre un peu punitif à un moment, et qu'ensuite, il a été difficile de récupérer une fréquence. Il a fallu attendre l'arrêt d'une fréquence Tour Eiffel, c'est ça, pour récupérer l'antenne. Et du coup, effectivement, l'arrêt de la radio a duré 4 ans. Tout ça parce que une jeune, très jeune stagiaire s'était montrée ignorante en direct de
l'expression Yupa au sujet d'un auditeur. Alors voilà, les dangers de la désinvolture à l'antenne en direct. Voilà, donc la punition sévère qui est tombée à cause de cet écart, qui n'était pas du tout la pensée ou la ligne de la radio, mais il a fallu payer pour ça. Oui, merci beaucoup Herman, vraiment, si tu pouvais rester à côté de Didier, nous retransmettre au cas où on n'entend pas trop bien. C'est vrai, en effet, c'est la radio qui a payé à ce moment-là pour voilà, une stagiaire qui s'était, comme l'a dit, montrée ignorante par rapport à cette expression, et l'auditeur qui n'a pas respecté l'antenne et a fait ce type d'intervention qui a coûté 4 ans de coupure et de diffusion FM. Alors on a encore d'autres appels, on va accueillir les différentes personnes. J'espère que vous nous entendez bien, Didier, Herman, Isabelle, et on va prendre les appels. Alors à présent, nous avons avec nous Gérard Michel. Bonjour Gérard Michel. Oui, bonjour toutes les belles âmes. Morgane, les auditrices, les auditeurs, Didier. J'ai connu la radio en décembre 1981. Eh oui, Claude Palmer, peut-être que Claude Palmer dit quelque chose à Didier, m'avait dit « cette radio, ça pète pour toi ». Et c'est vrai que depuis, j'ai pas quitté, sauf les moments où elle a été arrêtée. Je dirais à toi, Didier, tu sais très bien, pour quelqu'un qui est dans un bateau, tu es le capitaine de ton âme et le maître de ton destin, mais tu as encore beaucoup de choses à faire sur la planète Terre, à mon avis, actuellement, encore longtemps. Bats-toi, si c'est ta volonté. Chaque fois que j'ai pu intervenir en 81, 82, 83, jusqu'à 94, 85, ensuite eh ben, il y a eu 4 ans d'arrêt, effectivement, il faut faire attention quand on parle à la radio. Eh bien, j'ai appris des tas de choses. Moi qui étais trop cartésien, eh bien, je dirais que Didier, c'est un éveillé, éveillant, bienveillant, très érudit, mais ne le montre pas trop. Et Didier, tu dois rester, parce que ta tâche sur la planète Terre n'est pas encore terminée. Après, tu verras, tu es maître dans ton destin. J'ai écouté avec émotion une magnifique interview que tu as fait il y a longtemps de Gérard Manfait. Et je crois que tu es peut-être la personne qui a permis à Gérard Manfait de continuer à écrire, à faire de la musique, etc., etc. Je me souviens d'être venu avec Claude Palmer en 1984 dans les locaux de la radio. Derrière moi, il y avait en carton Bob Dylan, Grandeur Nature, et j'ai vu passer ton regard et j'ai été tout à fait ébloui de l'intensité bienveillante de ce qui émanait de ton être. Je ne dis pas ça parce que ça fait bien de le dire maintenant, oh non, ici et maintenant. Je le dis parce que je le pense profondément. J'ai aussi eu le plaisir parfois d'envoyer de la musique par le téléphone filaire. À l'époque, on pouvait envoyer de la musique de chez soi. En tout cas, je n'ai jamais connu un autre espace de liberté, de curiosité, qui tente d'expliquer ce qui n'est pas explicable. C'est une très grande richesse. Alors, je te dis, maîtrise ton destin, mais ta tâche n'est pas terminée sur Terre, Didier. Merci, Morgane. Merci, tout le monde. Soyons bienveillants pour que cette radio dure toujours. 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 Du fond du cœur. Du fond de l'être. Du fond de l'âme. Merci. Voilà. Merci. Merci. Très touchant, Gérard Michel, ton intervention. C'est touchant, mais c'est profondément pensé. D'abord, je pense que ma voix n'est pas comme à l'accoutumée. Tu la connais un peu, ma voix. Oui. C'est émouvant.
Mais voilà, tu es le capitaine de ton âme et tu es le maître de ton destin, mais ça, je t'apprends rien. C'est toi qui nous apprends des choses. Merci. Merci. Merci à toi aussi, Gérard Michel. À bientôt. Didier. Oui, je suis là. Tu es là. Oui, il y a même des passages que j'ai ignorés, comme par exemple les souvenirs de des interviews avec Gérard Manson. Tant mieux si ça a plu. Je me suis perdu pourtant de l'élection du puits. J'ai trouvé beau et intéressant, bien sûr. Alors, j'ai beaucoup de phrases passionnantes chez Manson. Une, par exemple, la mort oui est le cimetière de moi. C'est dans les heures de film. Nous jouons tous en Italie. Nous allons jouer sous notre propre vie. Alors, juste la dernière partie, est-ce que Herman, on n'a pas trop bien entendu Wisa? La mort et le cimetière. Et le cimetière. Devant. Et le cimetière du monde? Du monde. Du monde. Oui. J'ai pas dit que j'étais nul. J'ai dit que c'est une des belles phrases très imaginables. Ah oui, des phrases en effet inimaginables, j'avoue. Bon, au passage, je signale que c'est très inconfortable de changer avec le temps de téléphone quand je prends une journée. J'espère qu'on va sortir de tout ça. Alors, on a Léa avec nous. Léa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Didier. Je viens te dire que depuis quelques jours, je pense beaucoup à toi, beaucoup à ce que tu nous as dit. Mais, j'ai entendu tout à l'heure, je suis désolée. Tu dois le savoir. Pour moi, hélas, enfin, la prière n'a pas de sens. Mais, quand même, je tiens à venir partager avec toi et tous les autres hein, qui sont là, je les entends, ce grand moment de chaleur humaine. Voilà, pour moi, c'est ça, je suis en train de vivre avec toi. Je suis émue, pardon. Est-ce que tu te rends compte d'ailleurs que tu es en train de faire une grande émission de radio, dans ta radio. C'est exceptionnel. Tu nous as confié des choses intimes.
Avec humilité, avec pudeur, mais avec force. Et j'entends qu'on est, on est tous là, rassemblés. Pour moi, oui, ça, il s'agit, je le répète, d'un, d'un moment humain très fort. Donc, ben moi aussi, je vais te remercier. Tu sais, je crois bien qu'on est à peu près de la même génération. Ta radio, je l'ai connue, moi aussi, dès le début. Mais, malheureusement, j'étais moi-même engagée ailleurs. Je devais et je voulais être disponible dans ce que je faisais. Et finalement, je sais que je suis passée plein de choses importantes, mais je ne pouvais pas souvent être à l'écoute. Mais en partant du début et jusqu'à maintenant, bien sûr, bon, je vais forcément être assez très terre à terre et je vais insister sur le rôle important que tu as eu donc dans durant toute notre génération là dans la défense de la liberté d'expression. Je vais faire vite, même si je pouvais pas écouter beaucoup. Alors tu es un des pionniers et tu as beaucoup tu es peut-être le plus important dans ce qui a été très fort, très important dans notre génération, c'est le mouvement des radios libres. Je me souviens aussi de ce que tu as fait dans le réseau Liberté pour toujours défendre alors les plus vieux s'en souviendront, pour défendre ce droit. Et puis ça a continué. Donc je sais que nous avons des désaccords, mais en tout cas ce qui nous rapproche beaucoup, c'est ça. C'est ce combat-là que tu as mené avec acharnement et qui, alors qui a évolué, hein, puisque maintenant, de toute façon, la radio, jusqu'à aujourd'hui, la radio en général et la tienne en particulier, c'est vraiment quelque chose de, même à l'heure d'Internet, ça reste très, très important, ce qu'on est en train de vivre ensemble, là, grâce à, au fait qu'on puisse écouter ta voix et te parler, même si les outils d'aujourd'hui transforment beaucoup les voix. Hein. C'est ça aussi, c'est vraiment très important, c'est ça qui donne beaucoup d'authenticité à nos échanges sur cette radio et à ce moment qu'on est en train de partager avec toi. Juste ajouter une petite chose que tu sais peut-être pas, puisque je parlais de ta défense de la liberté, dans la liberté d'expression de la radio. Tu sais, pour moi, ça a été, je parlais d'une école, d'une expérience pour moi que j'ai faite avec lui, avec vous, sur cette radio. Très concrètement, de repousser justement tout sectarisme. Je parlais de la liberté d'expression qui nous a permis, qui nous a donné, mais pour moi, me semble souvent un peu décalé, dans certains domaines, dans la période qu'on a vécue, justement, être, pour moi, c'était important d'être à l'écoute
de ceux qui avec lesquels enfin desquels je me sens proche, mais de tant d'autres peut-être plus éloignés, et de m'y tenir. Et à partir de là, d'avoir une réflexion justement sur cette question du rejet du sectarisme et de la recherche concrètement donc de l'échange et du vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences d'idées. Moi, j'ai fait aussi en même temps cette expérience-là, peut-être de façon un peu trop professionnelle, pardon, mais voilà, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais je voulais le dire. Alors maintenant, Didier, tu nous... Enfin, quelle que soit ta décision, respect, hein. Moi je la respecte, mais en même temps permets-moi de te dire que je souhaite t'entendre encore et encore. D'ailleurs, moi aussi j'ai remarqué que ta voix aujourd'hui est moins fatiguée qu'il y a 3 jours, je crois. J'ai entendu donc ta fatigue l'autre jour. Je sais que ce que tu nous as confié de ton état de santé, je sais que ça peut être fatigant, que ton traitement peut être astreignant, j'ai envie de te dire que tes médecins, enfin, tu peux leur demander et j'espère qu'ils vont réussir à te donner, à t'aider à vivre ça un peu moins péniblement et que on va encore pouvoir t'entendre un bon moment. Quoi qu'il en soit, je pense à toi beaucoup depuis quelques jours et quoi que tu décides, je sais que ça va durer. Voilà. Merci. Bon courage. Merci. Et puis mon soutien à tes proches pour avoir entendu une fois mais longuement ta fille dans la radio, je suis sûre qu'elle sait t'accompagner. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Léa pour ton intervention. C'est vrai, c'est exceptionnel, c'est inédit, c'est des moments incroyable que Didier partage avec nous en ce moment et bravo encore une fois, chapeau l'auditeur précédent, Gérard Michel qui disait que voilà, on peut sortir tous les mots comme génie, maître, enseignant, mais en fait voilà, juste Didier de Plège, c'est déjà, tout est dans le nom, il y en a pas deux comme lui. Alors tu disais, Léa, que la prière selon toi n'a pas de sens, mais avec la visualisation, comme l'a dit Didier, eh bien justement, la prière peut peut-être retrouver un sens. En tout cas, voilà, Didier est toujours à l'écoute, 08 92 23 95 20, participer à ces moments incroyables qu'on a en ce moment ensemble, et on va écouter Amadou. Bonjour Amadou. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Oui. Alors par contre là, on entend moyen, il y a beaucoup de bruit de fond. Il y a beaucoup de bruit de fond. Maintenant, vous m'entendez? Alors, oui. Allô? Vas-y, là, c'est mieux, oui. Allô? Oui, là, c'est bien, on entend bien, oui. Ah ouais. Ben, j'ai entendu, comment dirais-je, la nouvelle de Didier. Bon, je suis vraiment touché. Ben, qu'il tient debout, on ne veut pas qu'il nous quitte. Il a un esprit brillant, c'est un grand esprit, Didier. Bon, disons que moi j'ai prié pour lui. C'est vrai que la croyance, lui-même il a demandé des prières. Pour moi il y a qu'un seul Dieu.
Il a créé sa création. Si on rejette sa création, c'est comment on rejette à lui. Je ne fais pas le prosélytisme, chacun à sa foi, mais qui tient debout. Didier, il a un esprit brillant, un esprit de lumière. Tout ce qu'il a donné, il a contribué à l'humanité, quoi. Bon, il y a deux radios, trois radios qui sont en France, qui ressemblent un peu à Radio Ici Maintenant. La radio BRFM, Nasser Katan qui accepte aussi la diversité, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la diversité humaine, quoi. Bon, on est différent, on est singulier, chacun a son caractère. Bon, je viens d'apprendre que la radio a été d'abord interdite dans le passé, effectivement, parce que l'être humain, il peut dire une chose, pour lui, c'est son bien, pour l'autre, il peut l'entendre autrement dit. Donc ça, c'est la connaissance. Didier, d'ailleurs, on n'apprend pas Didier. Didier, il connaît qu'est-ce que c'est un être humain. C'est vrai que quand tu connais l'être humain, pour moi, c'est un, il a un esprit, tu comprends, qui est un savant de la science humaine. Voilà, qui connaît qu'est-ce que c'est un être humain, quoi. Et cette connaissance ne peut venir que si on se connaît soi-même. Si on sait vivre avec soi-même, on peut aussi comprendre les autres. Bon, je laisse la parole aux autres. Ben, je lui souhaite une bonne guérison. Bonne année à tous les auditeurs. Je vous remercie aussi, Morgane, parce que vous supportez. Des fois même, vous êtes attaqué. Parce que, bon, ça dépend. Ça, c'est la pensée des autres, la perception des autres. On est différents. Ben, voilà. Donc, j'appelle ça le partage. Il faut partager avec tes semblables, quoi. Il faut pas être égoïste, centré sur soi-même. Ben, je vous laisse. Bonne fin d'année. Bon week-end à vous. Merci bien, Amadou. Au revoir. Jean, bonjour. Tu es à l'antenne, on t'écoute. Ah, ok, merci. Très cher Didier, j'espère que tu m'entends. Je suis Jean, mais tu m'as davantage connu sous le pseudo de Nemo 3 lorsque j'ai eu le grand plaisir de participer graphiquement et modestement à l'image de Marc d'ici maintenant et du logo en particulier, et puis d'autres petites choses. Waouh, Jean, c'est toi le logo de la radio? Oh bah disons, oui, c'est moi qui l'ai créé il y a longtemps. Je suis ravi de t'entendre. Je ne sais plus en quelle année exactement, mais ouais, ça commence à dater déjà. Je vais proposer à Didier plusieurs variations par la suite, mais il a toujours préféré garder le logo que vous connaissez, avec son côté calligraphique, comme ça, jeté sur le papier. En tout cas, pour moi, c'était non seulement un plaisir, mais un honneur de faire ça pour la radio, quoi. J'ai écrit un petit truc parce que je suis plus à l'aise avec ma souris d'ordinateur qu'avec le micro. Alors, je lis ce que j'ai écrit. Donc, une fois de plus, tu as montré ta grandeur d'âme lorsque je t'entends dire que tu as de la chance de connaître à l'avance le moment de ton départ. Tu arrêtes quand tu veux, effectivement. Et il n'y a ni début ni fin, de toute façon. Comme tu le sais mieux que quiconque. Alors je voudrais surtout dire un grand merci pour ta présence tout au long de ces années. Merci pour tes interviews auprès d'un florilège de passeurs qui nous ont tant apporté. Et qui continuent à nous apporter énormément de choses. Eckhart Tolle, évidemment, Neil Donald Walsh, Jean Stone, Jean-Marc Roder, Gildas Bourdet, Christelle et Christelle Le Cheval, Gilles Pinon, Stéphane Alix, etc., etc. Et qui m'ont permis de passer à travers le miroir, comme je t'avais dit une fois, il y a 32 ans. Avec toi, la Radio Libre a pris tout son sens grâce à ton courage et à ta ténacité vis-à-vis du CSA d'offrir l'antenne libre à toutes et à tous depuis le début. C'est également un cadeau qui n'a pas de prix et qui, j'espère, durera longtemps encore. Alors juste un immense et chaleureux merci à toi. Tu es l'âme de la radio comme l'âme du violon et tu sonnes juste avec un grand J. Je t'embrasse et à la prochaine, ici ou là, pour de prochaines aventures, cher Didier. Voilà. Merci, grand merci à toi, Jean. Et waouh, bravo pour ce logo qui est toujours en place. Et voilà, je suis très contente de t'avoir entendu. Et merci beaucoup pour ton appel.
comme je suis nul avec le forum, donc j'ai jamais réussi à m'inscrire sur le forum, c'est pour ça que je communique pas. Mais je vais faire un effort, je vais essayer quand même pour qu'on reste en contact de toute façon par ce biais, parce que j'ai vu que vous n'aviez pas d'adresse mail. Si. Bon. Si, je vais vous donner une adresse email. Ok, bon, je vous embrasse tous et. Merci à toi. Et à la prochaine. Grand merci. Bye. Au revoir, Jean. Waouh, c'est incroyable. Jean, enfin, Nemo 3, qui est celui qui a créé le logo de la radio, incroyable. Merci pour ta fidélité. Voilà, je te remercie. Je suis sûre que Didier est très heureux également d'avoir entendu ta voix. Elodie, bonjour. Oui, bonjour Morgane, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour Didier aussi qui nous écoute. Je souhaitais donc apporter tout mon soutien pour cette famille, comme tu en parlais. On est des amis maintenant. Je connais la radio RIM depuis un petit peu plus de 5 ans. J'ai commencé à être prestataire technique pour le site internet. Ensuite, je suis monté sur Paris, sur votre précédent studio, vous aider techniquement pour faire un petit peu du tri dans le câblage, les installations techniques et tout. Et puis, une amitié s'est créée au fur et à mesure du temps. Ensuite, je suis revenu sur la nouvelle adresse pour aider au déménagement. Je suis très touché par cette sincérité de Didier de continuer à nous tenir informés, à être parmi nous, les auditeurs, les auditrices, les amis, la famille. En tout cas, pour vous rassurer, moi je continuerai toujours à aider comme je peux la radio. Je continuerai à t'aider, Morgane, ça c'est pas un souci. Je t'ai donc surtout apporté tout mon soutien à Didier, à tout le monde, toi Morgane aussi. Merci. J'ai eu du mal à intervenir. Déjà, c'est pas facile, c'est pas du tout évident. Sans parler du nombre d'appels, mais bon, c'est normal, c'est je comprends. Sinon, tiens, tout à l'heure, ça parlait de prière. Moi, je suis pas du tout croyante, je suis cartésienne. Et pourtant, je suis au milieu de personnes religieuses dans mon travail. Et j'aime beaucoup cette radio RIM, l'échange d'idées, le débat conflictuel, mais le débat très, très intéressant. Et même si je ne crois pas à la religion, au médium, je crois en ces personnes qui apportent le bien et qui vont redonner le sourire à des gens. Bien sûr, il existe comme partout des personnes néfastes, mais sur cette radio, non, il n'y a que des bonnes personnes. Donc voilà, je t'ai pour remercier. Pour tout, et puis je continue à vous écouter, à vous soutenir, comme je peux. Merci beaucoup. Grand merci à toi, Elodie. Constant, bonjour, tu es à l'antenne. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Mais même moi, ça me fait quelque chose de revenir à l'antenne, puisque mardi, comme tous les mardis soirs, depuis près de 20 ans, je me branche et puis j'ai entendu cette tristesse absolue. Bon ben voilà, quand quelqu'un a essayé de transposer un bout de paradis sur Terre et de voir qu'il se trouve, je ne dirais pas les affres de la mort, mais tout le monde passera par là. Qu'il le sache lui-même ou que Dieu le sache, quand ça sera sa fin,
c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se rétablissent. Je souhaite un bon rétablissement. Et voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. C'est quelqu'un de bien. Il a essayé à sa manière d'apporter du bonheur aux gens. Il apporte. Moi en particulier, je passe tous mes mardis soirs, presque toute la nuit, avec un café quand c'est possible. Et je peux pas oublier ces moments-là. Et quand cette personne est dans une situation comme elle traverse en ce moment, ça fait que depuis mardi, je suis rebranché à la radio. Ça me paraît bizarre, et ça me fait un peu bizarre, mais voilà. C'est toujours bien d'entendre des gens qu'on aime. Mais bon, établissement, toi, je ne sais pas si le fait d'entendre tous ces messages, si ça l'apporte de la force, tant mieux. Mais si jamais ça devait apporter une quelconque fatigue, prends ton courage, repose-toi et reviens-nous rapidement. Je suis né cette radio que beaucoup de personnes aiment. Je crois que personne ne voulait entendre qu'il est parti. Ton bravo et encore une fois, merci infiniment. Et les dimanches après-midi également, j'allais oublier. Ça devient des rituels pour moi, c'est incontournable. Même si les émissions de Joël Ménard et tous les autres, ça nous manque. On s'en lassera jamais. Moi, ça devient même machinal. Alors que dès que j'enclenche par l'histoire, je me remonte là-dedans comme si c'était la première fois. C'est vraiment magique, cette radio, elle est angélique. Voilà, donc repose-toi et reviens plus fort. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Surtout pas que tu partes. Merci à vous tous. Grand merci à toi également, Constant. Merci pour ton message. Alors aussi, Hermès m'a envoyé un message. Alors que je partage avec vous, et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, que la famille, Didier est entouré de sa famille et ses enfants aussi, notamment bien sûr Hermès et Chepel, sa fille et son fils l'aiment énormément, et ils disent que c'est un exemple de détermination pour eux. Donc je lis le message, c'est peut-être mieux. Hermès et Chepel l'aiment énormément et c'est un exemple de détermination pour nous, Didier. Voilà, j'avais donc au début de l'émission partagé quelques mots avec vous pour les personnes qui n'avaient pas forcément suivi un peu toutes ces choses qui se sont, enfin voilà, les informations de ces derniers jours par rapport à la situation de la radio et notamment de Didier Deplège. Tout à l'heure, j'ai fait un petit rappel. Aussi, je voulais encore une fois remercier Isabelle et Herman qui sont auprès de lui actuellement. Également, les auditeurs par message ont envoyé des messages pour remercier la famille de Didier qui l'accompagne dans ses souhaits, et voilà, donc merci à vous, et nous continuons l'émission 08 92 23 95 20. D'ici quelques instants, je vais lire les messages aussi que vous avez envoyés par écrit. Je vais également rassembler tous les messages sur le forum. Et faut pas oublier le personnel soignant, bien entendu, qu'on a rencontré et croisé hier à l'hôpital et qui, bravo en tout cas et merci pour ce qu'ils font. 08 92 23 95 20 sur Radio Ici et Maintenant, on vous écoute. Hervé, bonjour. Bonjour à toutes et tous et bonjour à Didier. Que j'accompagne de jour comme de nuit dans les moments dans lesquels il est. Et j'aimerais lire un petit texte que j'ai écrit, non pas pour lui-même, mais pour...
pour lui, comme tout à chacun, si c'était possible. Bien sûr. Mmh. Oui, bien sûr. Donc, l'hiver n'est que la nuit du printemps, et celui-ci n'est que la prémisse de l'abondance de l'étharé, préparant l'aube du crépuscule, se parant des couleurs du dénuement. La mer veille avec efficience à la résurrection de l'intention, présent éternel à l'imparfait, don de l'ajout né des couches de l'été passé, fruit exalté promis à l'avenir du futur. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je voudrais dire, ce que j'ai aimé et ce que j'aime chez Didier Deplèche, c'est son humilité et les phrases de la Bhagavad Gita, notamment sur cette phrase concernant les fruits de l'action sont quelque chose de très important, et son action a été dans les siens maintenant. Et comme je l'ai dit dans le texte précédent, ce présent, ce cadeau, c'est ce qu'il a été et ce qu'il est pour nous. Et j'aimerais que ce cadeau soit éternel, quelle que soit la consistance dans laquelle il se prépare, tout en étant dans notre présent et dans notre esprit. Voilà, je voudrais rajouter une chose pour qu'il soit bien conscient, bien que je sois convaincu que sa conscience soit pleine et utile. Une bougie n'est pas grand-chose. Elle peut éclairer un endroit particulier, mais qu'il sache que lui qui a été cette bougie a pu allumer d'autres bougies et qu'on a pu éclairer bien des choses. Je remercie sa création de l'ici et maintenant, qui a été un oasis pour ma part dans le désert de ce monde, et il a enrichi ces sables du temps qui nous permet aujourd'hui de communier avec lui dans ces moments, et je voudrais l'accompagner, comme je l'ai dit, aujourd'hui et que ce soit dans la journée et dans la nuit. J'ai pensé à lui, je ne sais pas s'il l'a senti, je l'ai accompagné, et j'espère que sa décision qui lui appartient soit la meilleure décision possible, et de toute façon, nul doute pour lui, sa perfection, même dans son imperfection, la perfection de notre imperfection, je le remercie pour l'éclairage et le bonheur de l'oasis qu'il nous a donné dans cette radio, et certainement dans d'autres endroits que je ne connais pas, et je le remercie de son humilité. Mais son humilité ne retire pas la fructification de ses pensées et de son intention. Je te remercie, Morgane, et je souhaite à tous et à tous un bon Noël. Et j'accompagne sa famille dans ces moments particulièrement difficiles. Mais nul doute que son présent soit un cadeau pour nous tous et nous fasse réfléchir à l'impondérable de notre vie. Je te remercie, Morgane, de m'avoir donné la parole. Je remercie Didier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il sera. Merci, au revoir. Merci à toi, Hervé, au revoir. Bonjour Philippe. Oui, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien, oui. Oui, donc moi je suis cette radio depuis... je suis adolescent et ce que j'ai remarqué, c'est quand même le côté, alors évidemment, intemporel, génial, très créatif de Didier Deplèche. Et ce qui m'a toujours plu dans cette radio, c'est le fait qu'il ait pu... attirer des gens, je me souviens de Jacques Benveniste, hein, qui était venu sur la mémoire de l'eau,
Mais bon, il y a toujours eu des personnes de pointe, hein, des scientifiques de pointe, ou des gens qui avaient écrit des choses assez incroyables. Et je me souviens de lui là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens sont venus pour sa personnalité. Et quelque part, c'est un cadeau qu'il nous a fait de faire ce genre d'entretien qu'on ne peut entendre nulle part ailleurs. C'est vraiment assez exceptionnel. Hein. Donc c'est une chose. Concernant le financement de la radio, si je peux émettre quelques suggestions, peut-être que sur votre plateforme web, vous pourriez peut-être mettre en avant justement les différentes plateformes financières avec lesquelles on pourrait vous aider, ce qui n'est pas forcément très visible. Hein. Donc il y en a qui sont très connus, mais il y en a aussi qui sont où il y a du financement collaboratif. Il y a différentes choses et peut-être que là ça inciterait directement les gens à donner de manière interactive. Bon, voilà, c'est une suggestion que je fais. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'également il y a au moins un ancien animateur de la radio, hein, qu'on va pas citer, mais qui par exemple actuellement fait ce qu'on appelle une web radio sur la chaîne YouTube, sur le canal YouTube. Hein. Et pourquoi ne pas imaginer que, par exemple, quelques journées par mois, vous puissiez faire cela, ce qui vous délesterait de pas mal de charges financières. Voilà, bon, ce sont des idées que je peux donner, techniques, qui concourraient à la pérennité de la radio, parce qu'évidemment, tout le monde souhaite que cette radio continue dans son esprit, évidemment avec son fondateur, hein, ça me paraît évident. Voilà, donc moi Didier Leplage, je lui souhaite de résister, hein, je sais que c'est pas évident, c'est quelqu'un de très spirituel, donc il doit croire quand même en toutes les forces spirituelles de tous les gens qui lui souhaitent du bien, pour qu'il se maintienne. Et voilà, il doit être assuré du fait qu'il a réellement semé des étoiles sur tout son parcours, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je pense que c'est un, au bon sens du terme, c'est un éveilleur, et il me semble que son chemin n'est pas terminé et qu'il faut qu'il continue à donner son avis. Et quelque part, tant qu'il a de l'énergie, tant qu'il y a de la vie, c'est une bonne chose. Moi, j'avais... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en effet. Il y a de l'espoir, mais il y a aussi il y a de l'énergie qu'il doit donner, hein, oui. Qu'il va donner. Et donc, je pense que son chemin n'est pas terminé à ce niveau-là. Je pense qu'il fait vraiment partie, pour moi, hein, moi qui n'ai pas connu cette période, mais de la crème, on va dire, des années 68, hein. Même si moi je suis pas totalement d'accord avec toute cette période, mais je dois dire que c'était quand même une période où on avait un pic de spiritualité et également un pic de gens qui sont qu'on a pu retrouver après. Il me semble, j'avais écouté également une émission avec Didier Leplage, je crois qu'avec Rick Stratman, je crois. Enfin, c'était un médecin d'origine tchèque qui avait fait des expériences sur la conscience et puis sur les états hors de la conscience. Et puis il y avait également eu un médecin qui s'appelle Charbonnier qui avait fait des études sur les NDE. Et j'ai jamais entendu ce genre de choses sur aucune autre radio. Et c'était l'entretien était tellement conduit avec une telle quelque part une rigueur et le fait qu'ils mettent toujours ses invités à l'aise de manière à ce qu'ils délivrent leur message, je veux dire que ça c'est vraiment assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la sincérité la plus grande, dans la recherche de l'infini et de la spiritualité vraie, telle qu'elle est. Moi, c'est toujours ce qui m'a plu dans cette radio. Bon, alors après, effectivement, on peut peut-être dire que quand on a une antenne libre, forcément ça peut dériver, hein, comme partout, mais enfin
Voilà, moi je suis toujours très très heureux d'entendre des même des émissions qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, où on sent vraiment qu'on est dans la recherche de quelque chose, de la vérité, hein, quelque part. Et voilà, moi j'ai toujours aimé, donc il y avait Jacques Benveniste, il y avait un physicien aussi qui avait fait l'école centrale, qui nous parlait de mécanique quantique, bon, du temps où, on va dire, par exemple, Pierre Jovanovic, que je connaissais pas, bon, vrai, il a peut-être un peu dérivé, mais enfin, je trouve qu'au départ, il faisait une revue de presse qui était quand même assez fantastique également. Il y a vraiment plein de gens qu'il a invités, qui sont des précurseurs et qui sont très 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 peu connus du grand public. Hein. Et ça, je dois dire que c'est quand même assez phénoménal. Quoi. C'est vraiment phénoménal et c'est pour moi, c'est réellement quelque part du journalisme. Du journalisme d'investigation, quelqu'un qui cherche quelque chose et qui met de l'énergie dans son travail. Et voilà, moi, je connais pas grand monde qui fasse ça. Donc chapeau bas à lui. Hein, et puis, moi, j'ai pas de doute qu'il va pouvoir résister et rester avec nous. De toute façon, on lui souhaite tous de rester avec nous et de veiller sur cette radio, même si tu en assures maintenant la direction d'antenne. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et j'espère que nos encouragements feront en sorte qu'il reçoive 5 sur 5 le message et qu'il s'accroche à l'énergie qui est en nous et qui est aussi avec lui. Voilà, je reste à l'écoute. Merci. Absolument. Bravo, merci pour ton intervention. Philippe, et oui, merci beaucoup vraiment pour ton intervention, puisque tu as également appelé mardi, et on est dans des moments différents des antennes libres où c'est une ambiance différente, etc. C'est différent, vraiment, je peux me permettre quand même de dire ce que je pense, et bravo et merci pour ton intervention, celle de maintenant là que tu viens de faire et celle que tu as faite mardi où tu as continué à la fin de ton intervention en disant reste avec nous, bravo, puisque je pense que ça a pas mal joué aussi, ça faisait partie des interventions qui ont relancé le côté aventurier, on va dire, de Didier. Voilà, merci Philippe pour ton intervention. Jamais je ne pourrais imaginer, et jamais je n'ai pu imaginer à la radio ici et maintenant sans son fondateur Didier Deplège, puisque on est vraiment intime en ce moment et je vous raconte des choses que je n'aurais peut-être pas souhaité ou voulu raconter forcément à l'antenne sur la FM avec tant de personnes à l'écoute, mais Didier, voilà, vous le savez, vous le connaissez quand même pas mal déjà à travers ses émissions. Il a pas de souci avec les expériences, au contraire, et ni même avec l'expérience de la vie après la mort. Voilà, on va pas se voiler la face. Il est tout à fait ok avec ça, mais lorsqu'on avait ce genre de discussion, voilà, il me disait, moi je suis, enfin il me dit, c'est voilà, je suis ok. Il est ok pour la prochaine aventure, mais là, il est ok aussi pour cette nouvelle aventure de se battre pour ce combat-là, avec le fait de rester avec nous. Et oui, on a envie qu'il reste avec nous, et moi j'ai tellement envie qu'il reste avec nous, car la radio ici et maintenant, ce n'est rien sans Didier Deplège. Didier, tu nous écoutes, je t'aime énormément, tu le sais, reste avec nous, je t'aime énormément. Et tu as entendu les auditeurs, tout le monde a envie que tu restes, donc reste. Alors on a Fred avec nous. Fred, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour tout le monde, bonjour Didier.
Bah alors c'est quoi ces histoires DJ là? Qu'est-ce que tu nous fais? Non, je plaisante. C'est pour amener aussi un peu d'énergie parce que en ce moment, c'est ce dont tu as le plus besoin. Et je pensais que, je sais pas à quelle heure finit l'émission de Morgane, mais on pourrait, pendant les 5 minutes qui suivent l'arrêt de l'émission, envoyer tous, par exemple, depuis chez soi, un maximum d'énergie, justement, vers Didier, quoi. On pourrait dire, si l'émission finit à 17h30, que de 30 à 35, tous, on envoie un maximum d'amour, d'énergie, de guérison, de choses positives, quoi, pour lui. Ceci dit, j'ai essayé de faire un don là en ligne, ça marche pas du tout, hein. J'ai fait un don, oui. Le truc, c'est marqué. Bah justement, c'est pour ça, en fait, en ligne, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous donne, je vous ai donné l'adresse de la radio et puis je vous ai dit par rapport au RIP que je pourrais vous envoyer parce que sur le site de la radio, il y a un petit souci avec PayPal. Voilà, voilà, voilà. Je viens de voir. Merci à toi en tout cas d'y avoir pensé. Ouais, non, mais cette histoire de publicité, c'est vrai que c'est tellement. Je peux pas écouter une radio, c'est impossible, quoi. C'est un supplice. Alors bon, si à mon humble niveau je peux participer à ce que ça continue comme ça, bah, je suis le premier à vouloir le faire. Enfin, le premier, je fais partie de ceux qui veulent le faire. Voilà. Oui, j'ai pas téléphoné pendant bien longtemps, pas pendant un bon moment, parce qu'en fait, j'ai perdu ma meilleure amie, comme je te le disais, ma sœur, mon amante. Et ça n'a pas été un moment très facile, mais par contre, elle est partie avec un sourire, avec une joie. Elle a fait rire tout le monde jusqu'à l'état en palliatif. Hein. Elle faisait hurler de rire le personnel soignant, etc. Jusqu'au bout, elle a été très positive. Et puis, elle me disait, man, c'est moi, parce que je m'appelle, c'est mon diminutif, elle me disait... Quand je venais la voir, elle me disait, elle avait une énergie, un amour. Elle me disait, man, vivons l'instant présent. De toute façon, c'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait faire ça. Alors, bah, allez, maintenant, c'est le moment. Vivons l'instant présent. Et bon, bref, elle est partie très, très vite, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Voilà, je souhaite, pour l'instant, je voulais dire à Didier, t'es encore bien là. Et puis, au pire, si tu pars, de toute façon, tu sais bien que de l'autre côté, en comparaison à ici, c'est le jour et la nuit, hein. C'est l'amour, c'est une dimension incroyable. Donc voilà, moi, si tu pars, Didier, bien sûr, en tant qu'être humain, et si après tout ce que j'entends que tu as fait dans ta vie, là, qui est assez incroyable, puis ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, même si tu n'avais rien fait, je serais pas hyper malheureux parce que je te saurais, comme je sais ma meilleure amie actuellement, partie, mais très, tellement proche de nous, de moi, et inspirant à chaque instant. Voilà, je vais pas me pencher plus que ça. Je souhaite que tu nous fasses encore plein de surprises, là, parce que c'est vrai que c'est une radio quand même incroyable que t'as montée, là, et que t'as fait vivre. Alors chapeau pour ça, hein, déjà, et puis voilà, c'est pas une nécrologie, hein. Aujourd'hui c'est pas ton décès, alors hein, voilà, si t'as décidé de rester, de tout cœur avec toi, et puis si moi, 17h30 en tout cas, je t'enverrai un max d'énergie, j'espère que beaucoup d'auditeurs en feront de même, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et à bientôt. À bientôt. Okay. Grand merci encore. Alors, en ce qui concerne les messages qu'on a reçus sur Instagram. Alors, juste aussi, je voulais préciser qu'on avait des messages des personnes qui appelaient hors antenne pour soutenir la radio et dire qu'ils savaient peut-être pas forcément les mots, ils ne savaient peut-être pas forcément quoi dire à l'antenne. Donc, merci à eux aussi. Donc un message d'un auditeur qui sur Instagram s'appelle Claude. Il a écrit un message pour Didier.
Nous venons d'apprendre que Didier de Plège est souffrant ainsi. Je veux juste témoigner de mon soutien et de tout le respect que j'ai envers Didier, que j'ai rencontré à l'époque de Radio Village, lorsque RIM était interdit sur les ondes à cause de ce monopole sur les radios à l'époque en France. J'ai eu le plaisir de rencontrer toute l'équipe, Gérard Guy et Didier, lors d'une nuit entière que j'ai animée en leur compagnie dans cet appartement qui hébergeait la Ration à Paris dans le 16e. Immense souvenir d'une équipe qui a créé un précédent de liberté sur les ondes au cours d'une époque parfois bien grise. Toutes mes meilleures pensées envers Didier et sa famille, be here and now. Merci Claude pour ton message. Un autre message également de Sébastien, je lis, incroyable, je fais que pleurer, donc je cite, incroyable, je fais que pleurer tant je perds celui qui a porté par sa seule et unique personne malgré les aléas à ce qui résonne en moi comme l'outil mettant en lumière l'excellence de la parole humaine par le partage et l'ouverture d'esprit sans jugement de ses épaules. Il nous a tous hissés, que nous soyons à la volonté suprême d'affirmer nos sensibilités et expériences de vie. Je pense beaucoup à vous. Merci Morgane pour m'avoir permis de lui parler. Didier a su, je ne sais pourquoi ni comment, me répondre tard, une nuit où ma vie était très chamboulée et mon espérance de vie critique. Il a été mon seul support cette nuit-là, la seule personne à qui j'ai pensé en attendant pour lui partager mon expérience et les vérités qui me sont apparues. J'oublierai jamais ce moment, il a été mon seul support. Je l'imaginais toujours ces 5 dernières années au large de Marseille sur son bateau. Mon seul regret, de ne pas t'avoir proposé en direct de faire escale chez moi. Bon vent Didier, rien ne se perd, tout se transforme et tu as bien plus accumulé que beaucoup d'entre nous. Alors un auditeur a écrit, je cite, Monsieur Didier de Plège, bonjour, j'ai 80 ans, j'écoute depuis 1983, j'ai beaucoup appris de votre radio, je me rappelle votre combat d'éclaireur. Comme votre ami David Abbassi a dit, vous étiez la lumière comme le soleil. Vous avez rempli nos nuits noires avec votre torche. Elena, un message de Elena, merci. Je commence à partager avec vous donc la page Wikipédia de Didier. Je commence donc Didier de Plège, de son vrai nom Didier Garanger, né à Paris le 2 mai 1948, donc c'est un taureau, est un pionnier, bon ça c'est pas écrit hein, la partie taureau sur Wikipédia, est un pionnier des radios libres en France, fondateur le 21 juin 1980 de la radio pirate Ici et Maintenant, longtemps clandestine et deux fois saisie à l'époque, mais toujours en activité. Didier de Plège est dans les années 70, professeur de yoga, après un séjour de 2 ans au monastère de Samieling en Écosse, donc de 1969 à 1971, pour se perfectionner et découvrir le bouddhisme tibétain. Il crée le 14 janvier 1973 en Seine-et-Loire le centre de méditation et de longue retraite bouddhiste Dachang Kegiling, favorisant l'installation de lamas tibétains. En 1987, ce lieu est devenu l'un des principaux centres d'attraction du bouddhisme tibétain en Europe. En 1979, il produit l'album vinyle Le Grand Accomplissement, 13 lamas tibétains pour la compagnie RCA Victor pendant un séjour à Paris de Kalou Rinpoche. Il écrit les textes de 2 albums pour Guy Skornik. Il est producteur et animateur sur Antenne 2, réalise des reportages pour des émissions de télévision pour 1/5, produit par Patrice Laffont, et aujourd'hui magazine de Henri Slotin sur Antenne 2. En 1977 et 78, il est l'auteur de reportages sur le spiritisme et sur l'Anza del Vasto en 1977, ou encore pour l'émission d'avril 1978, les nouveaux prophètes.
Il a traduit et publié le livre de Richard Alpert, Remember, Be Here and Now. Pardon, le in n'existe pas. Remember, Be Here Now. En 1975, aux éditions Robert Dumas, co-auteur pardon, avec Jean-Marie Leduc des Nouveaux Prophètes chez Pucher Chalet en 1978. Le 15 août 1978, il est l'un des invités de l'émission Les Dossiers de l'écran sur Antenne 2 sur le thème des sectes. Le 21 juin 1980, il inaugure la radio locale interactive Ici et Maintenant avec Guy Skornick, Elisabeth Skornick, Jean-Michel Resserre et Léna Cabanès. La première émission a lieu à 22h dans un appartement du 16e arrondissement à Paris. Peu après, ils seront rejoints par Gérard Lemaire, puis Jean-Paul Bourg et peu après, Super Nana, animatrice, Sébastien Meyer et Fabien Wacky. Puis Bernard Weber et Jean Stone, Philippe Guimand, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, etc. À ce titre, Didier Deplège est un pionnier des radios libres en France. En 1982, la radio ayant été exclue de la liste de celles autorisées à émettre, Didier Deplège entame avec Guy Skornick une grève de la faim. Georges Filloux, ministre de la Communication, prend alors la défense des grévistes dans le journal de 13h de TF1 le 27 juillet 1982. En 1982, il participe au réseau Télém qui prélude à la naissance d'Internet. En décembre 1989, il assure à Beyrouth un reportage en images pour illustrer le livre de Jean-Paul Bourg qui paraîtra un mois plus tard aux éditions Robert Laffont, Génération Aoun, Vivre libre au Liban. Je fais une petite pause pour la page Wikipédia, on se retrouve juste après. Je continue la lecture de la page Instagram de Didier. En 1991, il est l'un des invités de l'émission de Daniel Bilalian sur Antenne 2 pour l'émission Les 10 ans de la FM. De juillet à décembre 1996, il organise une nouvelle grève de la faim pour s'opposer à la réduction d'une année de... Une année de l'autorisation d'émettre de la radio Ici et Maintenant à la suite de la diffusion réitérée de propos racistes, antisémites ou négationnistes tenus par qui ? Par des auditeurs lors d'une antenne libre. Une manifestation tournante devant le siège. Je fais une petite parenthèse, voilà, par les propos d'un auditeur et je précise qu'il y avait à ce moment-là un stagiaire. Qui ne connaissaient pas forcément le bon fonctionnement de l'antenne. Donc les auditeurs, voilà. Parfois, quand on est sévère avec vous, c'est pas pour rien. Je continue. Donc la radio a arrêté d'émettre à cause des propos d'un auditeur, puisque la radio a dû payer pour ces propos qui ont été tenus lors de cette émission. Donc, une manifestation tournante devant le siège du CSA dure 6 mois pour dénoncer la double peine qui serait infligée à la radio jusqu'à l'arrêt favorable du Conseil d'État rendu au printemps suivant. En 1997, Didier Deplège obtient finalement du Conseil d'État pour Ici et Maintenant la restitution de sa fréquence, mais doit attendre mai 2001 pour pouvoir émettre à nouveau. Son blog OVNI USA, créé en novembre 2005, a publié des chroniques ufologiques américaines quotidiennes à partir de la traduction d'articles et d'interviews. Il a décidé d'arrêter son blog 5 ans plus tard, pensant qu'une autre approche du phénomène serait nécessaire. En mai 2012, Deplège publie son livre Le Protocole Oracle aux éditions Chamandino numérique. Il évoque les relations trop souvent cachées des gens de pouvoir avec le monde des devins et ce que sont devenus les
Piti d'aujourd'hui soumis au DMT, au service des puissants. Il a lancé et anime une ONG, l'opération radio Chipibo, qui consiste à distribuer des émetteurs AM au village Chipibo-Conibo situé le long du rio Ucayali au Pérou, une opération soutenue par le réalisateur Yann Kounen. 26 émetteurs AM ont déjà été distribués sur un ensemble de 120 villages isolés. Ses interventions en direct à l'antenne d'ici et maintenant sont devenues rares depuis qu'il vit dans son bateau basé en Corse, où il se consacre à l'écriture de son nouveau ouvrage « Les enfants de SimCity et les cryonautes ». Voilà, c'est la fin de cet article Wikipédia.